Qu'est-ce qu'un brevet ? Un brevet est une protection qui s'applique aux créations techniques. Elle apporte au créateur de l'invention un monopole sur son exploitation, ce qui veut dire que personne ne peut la réaliser, la distribuer, l'utiliser ou la vendre sans son accord. Pourquoi déposer un brevet ? Déposer un brevet permet de protéger une invention et d'en revendiquer la propriété. Surtout, un brevet permet d'obtenir le monopole de l'exploitation sur l'invention. Ainsi, le brevet acquiert une valeur et son propriétaire peut par exemple le vendre, le céder, le transmettre, l'apporter en société, etc. Ensuite, avec un brevet, on peut plus facilement éviter la contrefaçon, car le propriétaire du brevet peut intenter des actions en justice contre les personnes qui exploitent illégalement son invention. Le brevet est aussi un atout économique et stratégique pour une entreprise. En effet, une entreprise qui est la seule à pouvoir fabriquer et commercialiser un objet peut se positionner seule sur un marché et proposer des prix plus élevés. Par ailleurs, les brevets sont un moyen d'encourager l'innovation. Si une entreprise est la seule à pouvoir vendre un produit, elle aura plus de chances de le rentabiliser et sera alors plus encline à investir dans la recherche et développement. Pour finir, les brevets améliorent l'image des entreprises. Une entreprise qui possède des brevets sera vue comme tournée vers l'avenir, ce qui lui permettra de séduire de nouveaux clients et d'attirer de nouveaux collaborateurs. Comment déposer un brevet ? Pour déposer un brevet en France, il faut s'adresser à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Et si on veut étendre la protection de son brevet en Europe ou à l'international, il faudra contacter soit l'Institut National de la Propriété Industrielle, soit l'Office Européen des Brevets, soit l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.